Oh, c'est Singen, du coup. Bon. On est parti, hein. En vrai, j'ai rien contre ce mec parce que il est pas méchant, tu vois. Mais j'en ai un peu ras le cul de me faire snipe par lui, quoi. Après, il y a un monde où il a pas snipe. Un petit monde. Parce que bon, dès que je suis dans sa range, il est tout le temps dans les games, quoi. C'est un FR, lui là. Ouais, bon, on va bien voir. De toute façon, ils vont shut down bot et. Et voilà. Ils vont jouer à 4, 4v3 bot. Je peux pas vraiment suivre le Singed. Mais je pense que contre Singed, je vais jouer Ghost en vrai. Il va y avoir un remake potentiellement, il y a un mec qui se connecte pas. Ce qui m'arrangerait bien, je vais pas mentir. Allez, Nexus, merci pour les 32. En vrai, là, dans le challenge, je sais pas, on doit pas être si mal que ça. Hein. 7-4. On est. Ah, c'est pas à jour. C'est pas à jour. On est 35e. On a la moitié, quoi. C'est à jour. C'est juste moi qui bégaye. En vrai, on verra où on s'arrête. Mais si je promote D1, déjà, on est pas mal, hein. On est top 20. En sachant que j'ai moins de game que les gens, hein. Mais on verra. Bon, déjà, l'AFK est pas chez nous, s'il y a un AFK. What else can I discover?
Bon. C'est qu'il a déjà prédateur de dispo avec ses bots. Du coup, si je push perma, je suis giga en danger, quoi. J'ai pas ma ward. Je vais quand même essayer de push cette wave hard. Minutes. Ici, il peut être là. Et je suis dans une situation. En vrai, il veut sa wave pour beaucoup de dégâts. Il y a peut-être base, non? Je pense que cette wave là que je prends au level 4 à chaque fois, je devrais pas la prendre. En fait, quand je prends cette wave au level 4 et que je l'astite au Q-spell, enfin que je l'astite, c'est pas le Q-spell qui tue, c'est le proc passif. Et du coup, je perds le mana de mon Z et de mon Q et j'en régène 0. Et c'est vraiment bad. Genre là, par exemple, tu vois, je pourrais rester la wave d'après, mais c'est vraiment dur en termes de mana. Je leur ai ping 15 fois qu'ils étaient là. Enfin, je sais pas pourquoi ils ping Gramus. Hein. C'est tout sauf de sa faute. Pas mal quand même de creep sur le bac. Il avait été à la base assez tôt. Ouais, bon, j'étais à la base, il fait un clic droit, j'ai 20 CS d'avance, mais. Je faisais halluciner Big, hein, avec son kill. Si j'ai une plate là, c'est ok en vrai. Safe mid lane. Ok. En vrai, s'il y a juste bah, mon laner, genre le mec normal, tu vois, et le Heimer, je meurs jamais. J'ai aucune raison de jouer safe là, tu vois. Mais il y a Renekton pour me stun et Lee Sin. Genre, ils peuvent pas me tuer en fait. 4 mid à 5 minutes. Je vais defun et remettre juste les pings. Mais en vrai, le Singed en face me cringe parce que c'est vraiment genre un mec qui est tout le temps dans mes games, genre tout le temps.
Il est trop chiant. Sauf que bon, Sting Admit, genre vraiment, nique ta mère, tu vois, je joue Vel'Koz. Il sait très bien que... Genre qu'il a une free game, tu vois. Je m'en pique, il sert à rien contre le sien. C'est trop chiant, c'est vraiment une merde. Enfin bref. C'est fine, go focus. Y'a Singado, toi quoi? Bon, il troll la game. La botlane gagne aussi, c'est fabuleux. La Jinx se plaint d'être prévenue d'un gank par des pings? Exactement, oui. Exactement. Le Rammus a ping un truc que j'ai spam ping plusieurs fois. Ils sont morts du gank. Et elle se plaint que le Rammus a ping le truc. Et ils sont morts du gank. En question. Enfin, le Milio est mort du gank. Et elle se plaint que le Rammus a ping le truc. En gros. C'est exactement ça, oui. League of Legends, quoi. Y'a Singed bot. Ils sont morts, les deux. Singed va tanker la tour derrière. Ah, même là, juste tout droit en fait. Même pas? Ok. C'est ok du coup. C'est ok, ils ont tué la DC, le mec perd DCS et tout, c'est pas ok, mais... Que veux-tu? On est pas loin d'avoir la tour Illumine. J'ai pas de flash. Elle donne un free kill, plus une plate, plus j'entame la dernière. Il joue sans TP. Il est mort d'Ignite, et lui est mort aussi. Ou pas. Rammus ? Stamnug ! Mais... Le Rammus est... Un golem de... Titan ? Ok. En fait, pourquoi les games ne peuvent... Enfin, pour... Ok, c'est vrai. Je suis mort deux fois d'un 4-man mid dans les 10 premières minutes de la partie. Et tout est normal, je suis sûr. C'est... Enfin... Il gagne pas ça, hein, je pense. Non. Il y a quelqu'un, ouais. Singed va les récupérer. Elle a pas de gosse, pas de flash. Ils sont morts tous les deux. La botlane est pas... Enfin, ils ont gagné en 2v2, mais... Le niveau de macro est... assez faible. C'est pas un canon. Mais si je peux avoir la tourelle, c'est bien. Après, Lee Sin vient. Il a start le Drake. Ok, donc je sais que je peux prendre la tourelle. À moins que il se ravise parce que le Singed lui ping. Mais je pense pas. Est-ce que je l'ai? 3 autos. 4. Ça c'est huge. Parce que j'aurais pu aller sur le Drake cancel le lit, mais j'en ai rien à foutre du Drake. Les golds de la tour Elmid, c'est huge de fou.
Oh, c'est trop deep. C'est whatever de jeu, ça. Bon, j'ai 116 CS. La tourelle mid. Je vais essayer d'aller... J'ai envie d'aller topside, mais je trouve que c'est dur. Il n'y a pas la plante. Il a plus de dash, je crois. Il a des bots, rang 2. Aurait dû rester top. Le mec est resté, il a même pas back. C'est Ramus qui va le tuer, quoi. C'est Ramus qui va le tuer à ma place. Avant que les plates fall. Ça peut être sur moi, avec Lee Sin. Il meurt pas. Il meurt. On va jouer ça. Il est top. Je peux pas follow ça. Il a un R mais je pense qu'il est mort de Singed. Il va trop vite le mec. Ouais il est mort. Je vais aller là-bas. Elle peut juste death rocket hein. Je vais rester avec eux pour les aider sur la tourelle. C'est important qu'on la prenne, je pense. Et je vais peut-être push la next wave, mais c'est greedy de fou. Il a dash in le Ezri, il est tilté je crois. Le fait qu'on ne puisse plus kite le buff et que je dois prendre 400 de dégâts à chaque fois que je fais un blue buff, je vais pas mentir que ça me rend vraiment cinglé. Je suis mort, il va juste faire Q. Ouais, bah, fun. Je sais même pas d'où il sort. Je sais même pas d'où il sort, d'où il vient. Je sais pas. J'ai mon blue buff, j'ai walk up top. J'ai même pas vu sur la minimap. Enfin, j'ai vu qu'il y a une ward qui est apparue dans le bush, mais je sais même pas. Shut down.
enemy has been slain. None have survived preliminary testing. Mais tu vois, enfin... C'est la troisième game qu'on lance aujourd'hui. Et c'est la deuxième qui se passe comme ça. Alors, je vais pas non plus faire le mec. Ça fait deux fois que c'est en face, tu vois. Mais... Le mec a pris trois ganks et il est full tilt, tu vois. Alors que bah, Lee Sin, il fait sa game... Lui, il run dans nos cirques, hein. Il run dans nos bots. Enfin, là, les mecs en face, ils sont même pas si derrière que ça. Il y a même pas les... Il y a même pas les shots dans l'objectif. Tonne d'un mec, frérot! Aïe, 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 aïe. Bah on a pas fait une game, enfin après la game bon. Je pense que le Singed en face snipe. Et les mecs enfin les mecs run down, je sais pas. Ça m'énerve en fait, ça m'énerve. Mais je fais pas une game magnifique. Je suis mort des deux 4 man mid, après les 4 man mid n'ont pas de sens. Mais je dois quand même pas mourir. Oh j'ai deux morts de trop cette nuit. C'est la mine encore ça? Pas laissé hein. Il a un blue buff lui. Ils sont tous au bot hein. Alors tous non. Bon, j'ai le blue buff, c'est cool. Moi, je veux ça. Et me barrer, surtout. J'ai pas de CD, de toute façon. Elio va crever. Je fais mes jailles parce que en vrai la move speed c'est ce qui m'aide le plus cette game et sinon je fais rabat. Je pense que je peux le garder, il faut que je récupère une free stack sur un mec qui meurt. Après bon, en vrai je vais pas commencer à faire le mec ouais ceci cela, la game est un zoo sans nom, regarde-le lui. Ça me fait mal à ma bosse. En rigolant.
peut-être pas laisser tout ça. Ils ont détruit le portail. Et que son Riley là. My bad. J'ai perdu toutes mes stacks. C'est vraiment juste pour tilt le mec jusqu'au bout quoi. Bon, on a win. La game était éprouvante mentalement, mais on a win. Bon, du coup, on va voir combien on gagne en sortie de placement. Et on va... pouvoir voir si c'est possible de passer D1 en 2 games, mais à mon avis, ça sera 3. Pas mal de vision, faut que je fasse gaffe. Le Ramus y va aujourd'hui, elle est avec lui. Tente-le. Non. Ouh. Allez mon grand Ramu. Le KDA est farmé. Mon R bugué avec la base. Ok, nice. Alors combien, 40? Non, je pense 30. 33, 32, truc comme ça. Ah. Ok. Donc je peux être D1 si je gagne la next.